On va aller voir les petits chers, tu peux être en temps. Et nous avons un tellement carré, nous avons un tellement dit. On va aller consulter les marabouts, tu peux être en temps. Ou un tellement carré, nous avons un tellement dit. Ils vont faire quelque chose sur toi. Et ça, moi, ça va marcher quelques mois. Et une autre fois, là-bas, ça reprend. Et pourtant, j'ai vu le magicien. Je suis l'éternel qui vous guérit de toutes sortes de maladies. Toutes sortes. Or, les hôpitaux, ils ont des maladies qu'ils ne peuvent pas traiter. J'arrive à l'hôpital, il y a des maladies comme les enfants qui souffrent de tout là. Comment ça va? Et franchement, ça ne se traite pas à l'hôpital. Ça, il faut voir les mamans qui traitent traditionnellement. Mais quand tu arrives aussi chez eux, il y a des maladies qu'eux ne peuvent pas traiter. C'est l'hôpital qui peut traiter. Mais quand tu arrives à Dieu, il est écrit, je suis l'éternel qui vous guérit de toutes sortes. Toutes sortes. Ce que l'hôpital ne peut pas. Ce que les mamans qui se font traditionnellement, les traditionnels peuvent n'arrivent pas. Le Seigneur traite ça. Les démons dans l'âme, le péché, les démons dans l'esprit, les démons dans la chair, les liens héréditaires. Je pense que c'est papa. Et les chrétiens n'accusent pas les gens. Un vrai chrétien, n'accuse pas les gens. Ils se posent des questions. Pourquoi le diable a pu m'atteindre? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Parce que la Bible vous fera la guerre. Moi, on ne pourra jamais vous vaincre. Pourquoi on commence à le vaincre? C'est la question du chrétien. Seigneur, tu me reproches de quoi? Comment est-ce que l'ennemi peut rentrer dans ma maison? J'ai fait quoi, Seigneur? J'ai failli aussi. J'ai fait quoi de mal? Tu me reproches de quoi? Et quand tu es sincère, tu pries, je t'ai envie de répondre. Tu vas te dire, voilà ce que tu as fait. C'est à cause de ça que la porte est libre. N'oubliez pas que Balaam a cherché à maudire Israël. Tant que Israël écoutait ce que Moïse disait, la malédiction de Balaam n'avait pas marché. Mais le diable a inspiré Balaam. Il emmène les dans le péché. Il emmène les filles. Il emmène les jeunes filles vers les Juifs. Ils ont fait une fête. Et les Juifs sont tombés dans le péché. Ils ont été détruits. Avant le péché, on n'arrivait pas. Et quand nous sommes allés, et avant le péché est rentré, nous sommes côté, hein. Les mêmes personnes qu'on n'arrivait pas à mourir, ils ont été tués. Ma foi, ma. Vous vous rendez compte? Et tant qu'ils étaient en ordre, la malédiction ne marchait pas. Madame dit, quand tu as dit à Josué d'occuper le terrain, alors tu peux le canard. Vous lui avez fait la main de votre pied, je vous le donne. C'est quelque chose de l'état, le couple. Tant que tu vivras. Et madame dit, quand ils sont commencés le combat, ils ont tué l'ennemi. Mais un jour, les gens commencent à mourir. Les juifs commencent à mourir. Jésus s'est mis debout. Jésus avait dit dans ton corps, je mets la bataille, oui, mais pas me vaincre. Comment on arrive à me vaincre? Comment dans mon corps il y a maintenant des morts? Comment il y a des gens qui meurent? Et lorsqu'ils se posaient ces questions, ils cherchaient à découvrir. C'est là qu'on a tiré au sort du nord de la montagne que dans le temps, Adam avait fait quelque chose de mal. Et à quoi cela qui va bosser? Voilà pourquoi nous on ne peut pas accuser les gens. Si on nous combat, c'est l'ordre de Dieu qu'on nous fasse la guerre. Si Dieu dit dans cette guerre, vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous vaincre. Et dans le sort, mais si vous allez nous avec nous. Qui es-tu, grande montagne, de Zorobabel? Tu seras plani parce que ce n'est pas la force de Zorobabel. C'est par mon esprit qui le termine. Toutes les flèches de l'ennemi dirigées contre vous, sera brûlée sans effet. Les flèches seront dirigées. Et ça sera brûlée sans effet. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il veille sur ses enfants. Comment le diable a pu t'attendre? Vois-toi-même. C'est facile, mais ça. Tu n'es pas là pour t'accuser, c'est pas long. C'est pas pareil. C'est là, mais non! Et voilà, on a tué ton père parce qu'il est sorcier. Et il a laissé sa gestion d'aller. Tu vois, si tu es le palais.
s'approche Jésus. Et Jésus ne peut que marcher avec toi quand tu te sépares du péché. Tu ne peux pas aller dans les bras de lui et s'attendre que Jésus fasse quelque chose dans ta vie. Ça, c'est quel Jésus? Ça, c'est quel Jésus? Lisez dans la Bible, Jésus n'a jamais fait ça. Tu sors avec des hommes détruits et tu veux que Dieu te donne un mariage. Il faut laisser d'abord les hommes détruits pour que Dieu te donne ton propre homme. C'est le temps de la perfection. C'est le temps de vivre tout ce que le messager a dit. Parce que la marque de la paix est à l'heure. L'image de la paix est à l'heure. L'épouse atteint la perfection. L'épouse devient parfaite. Dieu dans la chair humaine, plus les histoires, mais une vie vécue. Quelque chose de vrai, un témoignage visible, une vie correcte. Alors c'est la preuve que la bête quand il est là, et le troisième poulet à l'heure.
persévérer dans la prière. Nous allons prendre autorité sur cet esprit. Si c'est ce nom que j'ai dit, ce sont les sorciers et les sorcières qui doivent tomber du temps. Parce qu'ils viennent ici pour nuire la vie des gens. Mais si ce sont nos frères et nos sœurs que le diable veut détruire, nous refusons. Et nous prions aussi pour le voyage. Le frère Cédric, passé en Afrique du Sud, il demande la prière que Dieu le garde tout au long de son voyage, que Dieu le préserve de tout ce qui est mal jusqu'à ce qu'il revienne. Et il va nous voir, prions le Seigneur. Parle à Dieu. Dans le nom de Jésus, notre Père.